Matadeba, ça fait déjà presque deux ans, parce que le 4 septembre 2019 a fait exactement deux ans depuis qu'on a réalisé l'émission. Ça, nous faut des mènes de satisfaction, parce que je dis, hein, c'est nous qui venons permettre que y ait des gens qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent pas ce qui a passé dans le pays, qui ne comprennent pas ce qui a passé dans le pays sur le plan politique. C'est nous qui fait, en fait, je dis, mettre haïtiens dans un bain politique. Tout le monde vient comprendre clairement, ok, ce qui a passé dans le pays. Nous toujours dit, Haïti pas pays par nous seulement. Il faut nous veiller. Parce qu'il y a des gros projecteurs sur Haïti. Nous-mêmes, quand nous avons vu que nous sommes peuple qui dans misère, nous ne pouvons pas rendre compte de qui coupe qu'il y a pris. En fait, comme dit que moun ka prend avec pays. Parce que c'est pas un pays tant que n'importe quel autre pays. Pays a gagné des mains sous lui. Pays a gagné des yeux sous lui. Je veux dire, c'est bon pays que, qui facile à vivre. C'est bon pays également qui est facile à comprendre. Est-ce que nous connaissons que nous quand entraînons transition là en douceur, personne ne nous va rendre compte de ça? Est-ce que nous connaissons que nous capables d'entrer dans transition là en douceur sans que personne ne nous va rendre compte de ça? Maintenant la question, est-ce que Jovenel Moïse comme président de la République va faire partie de cette transition? Ou bien est-ce que le papa fait partie de la transition ça là? On a les souffert yo. Il y a une mission politique des Nations Unies qui doit arriver en Haïti en octobre. Mm-hmm. C'est la mission intégrée, c'est ça? Oui. Bureau intégré. Ouais. C'est des Nations Unies, je vais me chercher encore. En Haïti. Ouais. Et important, madame, monsieur Bouxa, on a parlé de nos besoins justement qui nos missions, c'est très important. Ouais. Parce que l'intégration, le mot intégration veut dire quelque chose. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, vérifiez pour nous, s'il vous plaît, et Josué Lexidor. Et c'est en octobre, ouais. Pour remplacer la mine juste. Comme si il y a des gens qui prennent ça, comme si à la légère. Il y a des gens qui ne peuvent même rendre compte. Non, on dit beaucoup. Ok, que non, on dit un paquet de bagailles. Ouais. Non, on dit beaucoup. Ok? Faut nous veiller là parce que nous. BINU. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. En Haïti.